les petits loups et bienvenue dans notre cinquième jour, le chantier de rénovation de garage total. Alors là, les petits électriciens, ils sont venus hier, hein, donc ils ont bien avancé. Il y a déjà un petit peu moins de bordel qu'on se prend dans la tête quand on marche, t'as vu? Et aujourd'hui, on a un boulot fort sympathique, on va faire des trous. Mais alors attention, attention, parce que c'est là que mon acolyte, il est magnifique. On va donc percer deux trous pour passer... Et l'aération donc là-dedans, derrière ce magnifique mur que Koupa nous a joliment peint la dernière fois. Et on va faire ça à la perceuse. À la perceuse pour faire passer ça. Donc ça, je pense que ça va être un grand moment. Et après, après, on va percer un petit là ici aussi pour faire passer le boîtier électrique. Puis on va certainement railler ici. Voilà, en avant Guingamp. Allez, allez bébé. Cette perceuse, tu le traverses le mur un jour ou quoi là? Oui, tu as fait ça. Pas de l'autre côté. Ah oui, parce que la mèche est trop courte. Tout à fait comme ça. Eh, mais sinon, il y a un tabouret dans le camion. Enfin, pas un tabouret. Vas-y, je t'assure, bébé. Eh ben les gars, ils l'ont dit, ils l'ont fait. Deux trous dans le mur, à la perceuse et au burin. Trop facile. Alors de ce côté là-bas, on a été intelligent, on l'a fait pile dans le creux de la glo. Non, mais non, dis pas ça. Que là, non. On a eu moins de chance. En fait, c'est pas ça. C'est qu'on a fait celui-là en premier. Ouais. On s'est fait chier de ouf, c'était chiant, boum, ça sortait, on tape, boum, ça tombe. On s'est dit, nous on aime bien quand il y a du challenge. Du coup là on a tapé dans celui où il y avait du béton. Ah ouais, c'est ça qu'on a. Ouais, c'est ça qu'on, c'est ça qu'on a fait, ouais. Ah oui, non, mais t'as vu comment on s'est fait chier pour celui-là. C'est vrai, c'était trop facile. C'était monotone. Du coup là on s'est amusé. On peut être celui-là dans du dur au moins. Je tenais à partager ce moment avec vous. Ça fait une boulette. Ah, je sais pas. J'ai pas compris moi-même, je me jure là, la hauteur du mur, il y avait 280, je dis encore on coupe à 2, non 208, je dis encore on coupe à 208, et je sais pas pourquoi au moment de couper, j'ai coupé à 180. Du coup, bah, il y a 10 morceaux là-haut. C'est pas compris. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive. Excès de confiance. Mais en tout cas, regardez-moi comme on coupe en là-bas. Il a fait un map ici. Eh, sans déconner, il est magnifique du feu de Dieu. Parce que je peux vous dire que le trou qu'il y avait là, d'écart entre les deux, il était quand même mouse. Le mec, il nous a limite fait une baguette d'angle en map, quoi. Et ça, c'est beau, putain. Oui. Oh là. Moi, j'aime bien couper le blingo. Aïe. Ah, le coup de tête qu'il a pris, lui. Et voilà, ça fait 5 fois que je viens aider sur le chantier. Comment je suis récompensé? On me fout encore dans le coffre d'une bagnole. Ça va, Pierre? Bah oui. Moi, j'en ai marre, hein.
Moi, je vais aller au prud'homme, hein. T'es qu'un petit caillou, tu dépasses pas la taille d'un gravillon. On pourrait détourner avec un battement d'aile de papillon. Dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Oh, well, it's got to cut an eye joke. Get, get, got the job, oh my name is long time ago. When it's going to, when it's go, when it's going to, when it's going to. Et hop là, je profite de la fin de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns là d'arriver ces deux derniers jours. Et je dis aussi que maintenant les sorties des vidéos ne se feront plus que le mercredi soir à 21h et le samedi soir à 21h. Des fois il y en aura, des fois il n'y en aura pas, des fois il y en aura plusieurs. Ça sera un petit bonheur la chance pour vous, mais je vais plus les uploader n'importe comment. Maintenant je vais les uploader que le mercredi à 21h ou le samedi à 21h ou les deux. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, je vous dis à mercredi. Ou pas. Ciao.